Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Akai et on se retrouve pour un nouvel épisode de ce Let's Play sur EU4 avec là la guerre qui a commencé avec ces connards de Crimée, Dodoyev et compagnie là. Donc là, la stratégie est très claire, c'est je vais les défoncer. Les mecs ont osé me déclarer la guerre. Juste pourquoi? Pour l'indépendance. Mais moi c'est clair, je vais les bouffer hein. Littéralement. Très simple, ça va être voilà, j'arrive, je fais des claims et je fais autre chose que des claims. Odoyev, je veux au moins récupérer les deux provinces là. La thèse en Odoyev, c'est surtout les provinces qui sont là. Les deux autres, à la limite, je peux les refiler à la Pologne si elle les prend, ou du moins bah, elles m'en battent les couilles. Faut que je vire Nogai de la guerre. Nogai, je lui bouffer tout Astrakhan et puis bah, la bande du sud là. Pourquoi? Parce que tout ça, la Bashkirie, c'est de jure chez moi. L'Ouzbek, il m'a rejoint. Le Timouride, il s'est chié dessus. Quel connard, mais en même temps, je peux le comprendre. Mais bon, c'est le plaisir de voir à quel point vos alliés vous lâchent quand vous êtes dans la merde. Surtout que la Pologne qui a fait n'importe quoi, j'espère qu'elle va pas faire autant de merde que ça avec la Crimée. Et là, je ne pourrais pas être assez nombreux parce que pour prendre ça, parce que c'est un fort à. C'est un fort à 3. Or, un fort à 3, bah il faut être plus nombreux. Mais allez péter tes rebelles orthodoxes là. Et surtout, aidez-moi, pourrissez surtout nos gars, les gars. Quant au Mamelouk, bah, on risque pas de les voir venir. Bien sûr, lui, le Lituanien, il revendique cette partie de la 2DF, hein, dans son ancien vassal. Mais, de toute façon, ils vont tellement payer, je vais tellement leur faire payer. Nos gars, j'essaie de me gaver sa province ici, là, de. Dans le Yik, et puis ici en Bashkiri, les trois. Hein. Dver, local and rest, putain, ils font chier. Voilà, ils ont pris l'autonomie, c'est pas hyper grave. En gros, tu le sièges ici au Odoyev. Au Odoyev, je vais tellement le dépouiller, vous allez voir. Eux, ils font le siège ici, la Moldavie, juste gentiment pour moi. C'est très très bien. Donc voilà. Ça me donne une leçon sur comment faire avec mes vassaux la prochaine fois. Bah, pas refaire simplement, les bouffer. Ça apprendra à être généreux et à laisser l'autonomie des provinces. Le pire, c'est ce que l'air qu'on se tue. Alors qu'avec nous, tu fais quoi tant contre moi? Qu'est-ce qu'il va faire l'Ottoman? Il va te défoncer comment? C'est pas si je te perce qu'ils sont en train de tabasser le Timouride. Il a Guge en vassal. Le gars est là-haut. Les tribus gagnent de l'influence. Je vais leur donner. Relevez-moi une petite horde et puis filez-moi des guerriers s'il vous plaît. Et je vous fais un peu de pognon pour vous récompenser. J'ai un cadeau de Tunis. Ça fait plaisir, merci Tunis. Vous là, Odoyev, je vais vous siéger juste là. Pourquoi? Pour être sûr que vous me fassiez pas chier. Yedizvar, je sais pas où c'est. Mais bon, c'est pas grave, c'est à moi maintenant. Alors Karakounou, lui, il a pas compris le pauvre. Putain,
Oh la perse qui a été relâchée, merde! Merde! Bon. La perse qui a tout ça. Oh putain, merde, Mossoul qui est tombé chez les Ottomans alors que Mossoul c'est la région de Perse. C'est-à-dire qu'il faut que je tout un jour que je me foute en guerre contre les Ottomans. Ça fait chier ça. Merde, 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 merde. Ça me plaît pas du tout. Bah, Odoïev, c'est bon. Il va où lui? À Kursk. Tant pis. On va rester là tranquillement. Est-ce qu'on aura fini bientôt de siéger la Crimée? Que je puisse un peu mettre sa gueule de Nogai. Et lui montrer un peu qui c'est le chef. Une fois que j'ai fini ici, j'ai tapé Théodoros. Hein. Bon, la Crimée est tombée. Théodoros, viens là. Odoïev, c'est pareil. Je vais pas faire une peine de séparer avec Odoïev. Bon, il faut que je fasse une paix, alors avec Nogai. Alors, bon, je vais d'abord me débarrasser de Nogai. Ouais, la cité de guerre est élevée, putain. Casse les pieds, ça aussi. Nogai, tu fais pas filer un truc, toi? Ah, faut prendre sa forteresse à Nogai, sa capitale ici. Que la Moldavie serait en train de prendre. La Théodoro s'est tombée, c'est parfait, donc on va pouvoir affronter nos gars. Putain, et là c'est quoi? C'est la Livonie qui se fait attaquer par le Danemark. Putain, Novgorod a pris cher encore une fois dans sa gueule. Encore un prêt. Vassalisation, hors de question. Libre, lui, il est plus en moyen de beaucoup de m'aider, ce con. L'Ottoman, il m'aime comment? Vous voyez pas une alliance ou pas? Non, parce que moins 50 à cause de la Pologne, c'est tout. On voit deux provinces intervitaux. Faut que je prenne la Crimée, hein. Les gènes, tout et tout. Et par contre, ça me fait chier, ça. Sous Kurdistan, là. La Perse. J'aurais bien aimé que ça éclate avant. Enfin bon, on tabassera tout ça d'abord. On fera le Timouride et le Perse plus tard. Je vais essayer de du bloc là d'abord, et après descendre par là, et après, chut, vers l'est. Et s'il faut prendre une province après à l'Ottoman, ben on fera une guerre plus tard. Dans le futur, quand ce sera le moment. Donc là, 8. 42, donc là Nogai va tomber tout seul, mais quand même un grand. Il veut quoi la Crimée? Non, 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 j'ai pas compris. Et ben voilà, la capitale est tombée en plus pour Nogai. Novgorod a annulé l'axe militaire, c'est pas grave. T'as encore un autre fort, toi, mon cher Nogai? Je te rassure, il va pas tenir très longtemps, ton fort. Il a 28 là, sont forts ce con. Moi je vais rester ici à piller un petit peu pour rester sur un territoire plus clément.
Vous êtes tombé en plus. Nougat, j'ai tellement de faire chialer. J'ai tellement pleuré sa mère. Regardez-le, ce con. Oh, t'en retournes ton cache en plus, connard. Et en plus, tu me fieras d'aller par son guerre quand on aura fini. Histoire qu'on te défonce bien. Là, t'as 49, on peut bien encore. O2 fait tomber, donc c'est très bien ça. C'est ce qui est tombé, donc il voudra bien filer les passants de guerre, voilà. Voilà, hop, ça c'est fait. Je récupère un estate entier. Enfin, un état entier, tout le dire. 6, 3, 6. Non, 3, 3, 3, 6. Ok, donc c'est pourri. 110 pour courir les 4. Tiens, pour vous dire quel point c'est à chier. Donc après, on a quoi? On a la Crimée. Qu'elle a pas compris la Crimée une chose. Même Look sont à moins 40, ces couillons là. Il a contre la Perse et le Timouride est censé le protéger. C'est quoi à faire? On va y aller nous aussi. Déclaration de guerre pour prendre Ardabil. Oh! Intéressant. Et en termes de religion, Tabarestan c'est. Shit, ça fait chier ça. C'est chiant. Moi j'aurais aimé avoir un puppet sunnite que j'aurais fidé un peu avec des morceaux de Perse avant d'intégrer. Alors lui il prend, il occupe les tribus timourides, lui il Bassora là. Oh la vache. Pauvre timouride. Ça c'est ta faute timouride hein. Chahine peut pas trop faire de guerre, de te concentrer sur tes trucs, mais non, t'as explosé en vol. Malheureusement j'aurais dû prendre cette province là avant, histoire que la Perse, bon bah. Ça aurait rien changé parce que je suis sûr que la Perse aurait été dans l'indépendance. Les autres connards. Les Mamelouks, ils veulent pas faire une paix ces cons là? Un 36. Non, non, ne pas le vouloir. L'Arménie qui s'est étendue sur la Géorgie. Hein. On est en religion, on est où? On est à fond là. On va commencer la Circassie. Ok, on va faire foutre. Il commence à me faire chier la Perse là, la Perse va falloir la défoncer. Très clairement la Perse a choisi son camp. C'est le camp des casseurs de couilles. Et Timo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous reproposer une alliance, et puis bah, je lui dirai, si tu veux un jour on se défonce la. Il est tout pour le Timouride. La chose que j'ai à faire, c'est de bourrer nos gars, de descendre pour défoncer le Timouride direct, et après bouffer la Perse et le Balochistan. Ce qui est même ce qui est le plus intelligent à faire. Moscou, je suis en trou, c'est jusqu'en 90. Je dois combien de points de faveur, toi, trou du cul? 7. Dans 6 ans, je pourrais faire la guerre. Donc, ok. Ça va prendre les points, voilà. Est-ce que c'est la région qui m'intéresse? Non, c'est dans la région. La région du Caucase, ça m'intéresse pas du tout.
Tu veux faire, donc ça va être très simple, ça va être. Tu te connectes au sunnisme déjà, tu fais réparation de guerre. Donc tu laisses tomber le sunnisme alors. Donc tu vois, sunnite. Tu donnes tous les claims que tu as sur moi. Tu veux pas? Pourquoi? Ok, tu me files ton cash. T'as que ça? J'ai rien à foutre. T'es une pauvre merde. J'aurais espéré récupérer les provinces là avant les Perses. Et bon, le problème c'est que le Perse. C'est quoi son niveau au Perse qu'on rigole un peu? Military, Armies, Persia. On aura alphabétique s'il vous plaît. Persia. Ouf! Ah oui, il est quand même balèze. Il n'y a plus beaucoup de manpower et bon, il est balèze ce con. Et en plus, il est bien shit pour me faire chier. Nougat, c'est quand la fin de la trêve avec toi? 488. Mamelouk, tu peux pas faire la paix? 33. Oui, je sais que j'ai des prêts, crétins. Mercenaires, fort maintenance. On va baisser un peu maintenant de tous les forts. Y compris ceux qu'on a piqués chez les couillons d'en face. Et tout après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de générer pour avoir moins d'intérêt. Parce que là, ça monte, hein, la corruption. C'est bon, on va essayer d'aller comme ça. C'est chiant ces conflits-là comme ça. Oh non. Paix blanche, Crimée et Odé vont rester des sujets de la Horde d'Or. Ah voilà. Ouais, c'est que si je garde ces deux connards là. Moins 42. Vous avez vu ce que ça a donné? Ouais, non, il est hors de question que je prenne le risque. Que si je fais une paix, qui me dit que ça va pas justement au contraire faire l'inverse? C'est quoi? Je vais te laisser un truc. Et au pire, ben. On va tester comme ça. Il reste toujours mon vassal, tout comme ODIF. Bon, en tout cas, ça les a calmés, ces connards. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Ce serait une bonne pratique pour la prochaine fois parce que je pourrais les fider avec des provinces moscovites. Bon, toi le Crimée par contre. On va faire un petit jeu, ça va être très simple, ça va être. Oh regarde, ça s'appelle. Donner une province, ça s'appelle comment ça dit? Kizilkar. Je rentre ta province, t'as vu? Tu veux me dire merci? Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!